Tout le monde fait quelque chose, d'accord, très bien. Rang 9, pas mal. Notre analyse post-publication de Danse Danse Révolution est terminée. Alors, dans ces casus, excellente combinaison. Son semble être relativement important. Mais relativement, hein, c'est pas ouf non plus. Correspondance plateforme, genre épouvantable. Ah bah... Ah bah apparemment, c'est de la merde, la PlayStation, pour Death Dance Revolution. Non, pour faire des jeux casus, en fait. Apparemment, les jeux casus, la PlayStation, ça aime pas trop les jeux casus. Hein. C'est, il faut faire de la Wii ou de la Game Boy, ou... Enfin... Sur cette simu, hein, on va dire. J'entends. Nous avons quelques idées supplémentaires. Headcon n'est pas encore bien intégré à l'équipe. Ok, très bien. Très bien. Easter egg. Easter egg. Allez, Easter egg. Mais ça se trouve, je ne pourrais pas les mettre peut-être pas tout de suite. Hein, ça se trouve. Parce que moi, il y a les gros jeux qui m'intéressent. Mais je pense que c'est pas tout de suite. Alors, on va rechercher les Easter eggs. Former, bien sûr. Tekos plus 3, 3, 3 plus plus, oui. Non, là, oui, pas sorti. J'ai pris quoi comme ça on a le gros? Je sais plus. Je suis amnésique. Oui, apparemment, vu comment ça monte, oui. Oh là! J'ai jamais fait autant. ...78e position, ah bah c'est bien. Je vais grimper dans les fans. Bon, j'ai plus de points de recherche. Hein. T'as 3 semaines autant de points, c'est beaucoup. On va faire ça pendant que ça finit. Voilà, très bien. Oui, oui, très bien. Allez. Ah, il a bientôt 500, lui, hein. Bon boulot. Je vais pouvoir faire le boostaillon. Ah, mais sauf que ça se trouve, c'est lui. Elle a pas le niveau 5, elle. Bien, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dans les offres? Enquête casu. Ouais. Ouais. Dreamcast. Game Boy. Mais la GBA est pas sortie encore. C'est étonnant. Qu'est-ce que je pourrais faire des suites? Ouais, voilà, 7,75, bénéfice 1,4 million. Enfin bon, c'est pas fini, hein, mais... pas des bénéfices monstrueux. Hein. Mais en même temps, j'ai claqué beaucoup d'argent dans le développement du jeu. Delicate Taken, Vania Pocket. Ah, je peux refaire un jeu de course. Hein. Il a bien marché, mon... Qu'est-ce que j'ai qui a bien marché? Piticarus, il avait pas mal marché. Hein. Le Ficross aussi, mais c'est du casu, donc je vais attendre, je ferai un Ficross plus sur la Wii. Ouais, si je faisais un jeu de course de Kéké de PlayStation. Je fais la suite de Hongon. Si je me lance dans la suite de Hongon. Ce serait bien ça. Allez, je fais ça. Alors, c'est quoi, c'est... Comment je vais l'appeler? Qu'est-ce que je vais dire comme connerie?
Mais Angon 3D. Allez, Angon 3D, c'est à la mode. C'est un jeu moyen, tout public, course. Donc course, action et simu maintenant, parce que comme je peux. Parce que maintenant, je peaufine le détail. C'est action et simu. C'est un peu comme Gran Turismo. Bah direct, j'achète, j'achète. Ah oui, ça me coûte un bras, mais c'est pas grave. Alors, bien sûr, les graphismes, hein. Faut que la moto ait l'air d'une vraie. La PlayStation 2 maintenant. Petit magazine et démo. Gran Turismo. Alors, cinématique simple, oui. Histoire, non, on s'en fout. Sauvegarde, oui. Multi, oui. Didacticiel, oui. Une progression de perso, on s'en fout. Voilà, très bien, on garde tout ça. Alors, le gameplay, on a dit c'était du design. Donc, Joshua, il reste là-dessus. 579, ah ben, je peux lui faire la formation spéciale. Maintenant. Maintenant. Histoire quête, on s'en fout. Moteur, il faut du moteur. Parce qu'il faut que ce soit. Genre, c'est réaliste. Qui fait le moteur? Moteur, c'est de la tech. Techos. Putain, il prend quand même 54% de fatigue avec un gameplay aussi puissant. Pas grave. T'as mon jeu est même pas fini de vendre que j'en fais déjà un autre. Je suis un gueudin. Je suis un petit. Salut, c'est Arnie Quinquel de Electric Games. J'ai reçu. Non, j'ai entendu que Noriciel travaillait sur un nouveau jeu. Est-ce que vous seriez d'accord de partager quelques petites infos sur le projet actuel et de répondre à une interview? Accepté. Beaucoup de lecteurs sont curieux à propos du choix dans la réalisation d'un jeu et de comment se définissent les priorités de développement. Votre nouveau jeu est un course-action-simulation. Pouvons-nous dire dans un tel jeu si vous occupez plus de l'IA ou de design du monde? J'en sais rien. Ouais, je finis le jeu et puis je m'arrête. Écoutez, le design du monde me paraît plus important parce que ma bite. Non, parce que l'IA, c'est juste des pilotes, quoi. C'est juste les concurrents, c'est intéressant d'en avoir, mais le design du monde, c'est plus intéressant. Mais laisse-moi lire. Dans une récente interview avec Noriciel, nous avons parlé de leur prochain jeu, course, action, simulation, et demandé au patron Fatal quelles étaient les priorités dans le développement du jeu. Fatal a répondu que design du monde était la clé pour réussir un tel type de jeu, mais il semble que d'autres professionnels de l'industrie ne soient pas d'accord avec ce point de vue, prenant que l'IA est plus importante pour ce type de jeu. Merde, du coup, je sais plus si j'ai fait le marketing. Ah, ça y est, ils m'ont retiré le jeu. Dance Dance Révolution de Jean-Luc Mélenchon n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 476 000 exemplaires, générant 5 millions de recettes. Bon, ben ça va. J'en ai pensé 3. Et ça. Ça va, c'est moins pire que si c'était pire. Les dialogues, zéro. Le design du niveau. Allez, on fait du double moite-moite. Pourquoi il y a un truc à B? Voilà, le double moite-moite. Dialogue amélioré, on s'en fout. Casse-toi. Éditeur de niveau, oui. IA amélioré, oui. Alors, le design, c'est Fatal. L'IA, CBA. Ouais, ça me paraît bien ce compromis. Très bien. Très bien. Allez, un peu du marketing, marketeux. Gros marketeux. 2 millions de marketing, putain, c'est cher. C'est cher 2 millions de marketing quand même, putain. Quand le jeu il en rapporte que 5. Non, bah, on va rester modeste sur ce coup-ci. Je suis pas.
ça que ça m'a coûté une blinde. On va rester modeste. Bon, l'engouement est pas mal, hein. Il a dépassé l'essence et déjà c'est bien. Alors du beau graphisme, du son qui déchire, du monde ouvert, du cycle jour-nuit, oui. Du monde ouvert, c'est de la simu quand même, hein. Parce que je peux déjà me la péter avec le monde ouvert. Bon, ça coûte que 20 000. On le met. Ouais, mais dans les jeux de course, j'aime bien qu'il y ait de la bonne musique quand même. Je sais pas, il y a tout qui est important là. Bon, tout qui est important. Pourquoi elle est au design, elle? Non, elle est pas au design, elle est au son. On va pas la mettre au son, on va mettre Hélène Cole au son. Ouais, lui au design, très bien. Au design, très bien. Je pense que c'est pas mal. Hein. Je tente ça. On y croit. Allez. APE, je suis un employé de l'Agence pour la protection de l'environnement. J'aimerais vous faire une proposition. Votre entreprise a actuellement une empreinte électrique élevée. Si vous installez des panneaux solaires, vous pourrez diminuer votre impact écologique et économiser de l'argent sur le long terme. Nous prendrons en charge 50% des prêts, ce qui nous ramènerait votre investissement à 200 000. Bah bien sûr. Bien, sage décision pour les panneaux solaires. Ok. Pourquoi pas. Mais comment on fait le boost là, je sais pas quoi. C'est ça, formé. C'est où que j'ai vu un boost? Ou alors c'est lui, mon perso, qui fait le boost? Y'a que mon perso qui peut le faire? Ou c'est parce qu'il faut être niveau 5 et ils sont pas encore, je fais attention. Ah, ils sont pas encore niveau 5. Bordel. Ah si, lui, ça y est, il peut apprendre ça. 1 million. Waouh. 1 million. Ça, c'est de la formation, hein. La formation qui coûte 1 million. Putain. Aujourd'hui, Micronov a sorti la Mbox, sa nouvelle plateforme de jeu. Très bien. Noriciel a récemment installé des panneaux solaires dans leur bureau, alors que l'industrie du jeu vidéo et des jeux logiciels est une des industries les plus propres du monde. Elle est grande consommatrice d'électricité. L'installation de panneaux solaires peut donc avoir un véritable impact. Bah mais stop, arrête de me remettre des bugs. Mais... T'es bon? Ah, il y a quand même un engouement certain. It's a new record. Ah. Du level up. Dans les graphismes. Ah, une petite augmentation pour... Pour Trevor. 2 millions pensés pour devenir Bill Gates, pour l'instant. C'est ça, mais je vais lui faire faire. Hein. Nouvelle recherche disponible. Trame de fond riche. Patron, Noriciel s'est bien développé sous votre direction. Je pense qu'il est temps de déménager la boîte hors de ce technopôle pour un bâtiment bien plus à la mesure de notre succès. Trouver l'emplacement parfait pour notre nouveau siège. Ce n'est pas donné, mais ça nous permettra de grandir davantage. Les nouveaux bureaux ont même de la place pour de futures extensions. Voulez-vous déménager? Payez 8 millions. Ok. Très bien, 8 millions. Bienvenue dans le nouveau locaux de Noriciel. Nous avons maintenant plus de place. Donc nous pouvons encore agrandir l'équipe. Le nouveau bureau est également proche de certaines universités renommées, ce qui nous donne un accès facile à de nouveaux talents. Les premières critiques pour Angon 3D, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Oh, ça sent bon. L'accent mis sur la partie graphisme va être très bien servi ce jeu. Un des meilleurs. Bah, j'ai pété le jeu là. Un chef-d'œuvre. Un must.
savais que j'aurais du succès avec ma suite de Angon. Très bien. Best game ever. Bonjour, nous venons d'apprendre que vous avez pris possession de vos nouveaux locaux pas très loin de notre université. Nous étions sur le point d'ouvrir un nouveau cursus sur le développement de jeux vidéo, et votre aide nous serait précieuse. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de vous rémunérer, mais je pense que vous vous rendrez compte qu'enseigner le développement de jeux vidéo à nos étudiants est un bon moyen de peaufiner vos compétences. Université Green Earth. Nouveaux entraînements disponibles. C'est qui lui? Ah non, c'est Trevor. Bon, déjà, j'ai des nouveaux cours qui coûtent cher mais qui sont plus pétés. Donc, déjà, lui, on va le former avec ce. Bon, il va me rapporter chez gros, à mon avis, ce jeu. Le boost, hein, 1 million, on peut y aller, à mon avis. 20 points de recherche, 1 million. Et on va faire le rapport sur le jeu. Il m'a coûté 2 millions, hein. Wow, ce nouveau bureau est incroyable et en plus il est parfaitement situé. J'ai fait une balade autour du bâtiment récemment et j'ai eu une idée révolutionnaire. Pourquoi ne pas ouvrir notre propre département de recherche et développement? Ça pourrait vraiment accélérer nos recherches et nous permettre de nous attaquer à de plus gros projets et d'innovations. Ce ne serait pas donné, mais je pense que ça nous permettrait d'être des pionniers de premier plan dans l'industrie du jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, j'ai fait quelques recherches et je pense que nous devrions ouvrir un laboratoire et engager une équipe entière de chercheurs. Avant que nous puissions faire ça, toutefois, nous devons au moins avoir un spécialiste du design dans notre équipe. Oui, bah, je suis en cours. Nous avons besoin d'un spécialiste du design pour ouvrir un laboratoire de recherche et développement. Vous pouvez former quelqu'un pour qu'il devienne spécialiste en passant par le menu, mais l'option n'est disponible qu'à partir d'un certain niveau de compétence en design. Vous pouvez également former un spécialiste en technologie qui sera très pratique pour les prochaines options. Oui, quelle fin de stream, hein, PT pro, jeu numéro 1... Putain, elle a toujours pas de niveau 5, elle a pas envie. Elle a pas envie. 30 points de recherche quand même, écoute, hein, maintenant les formations. Les grosses formations, on va dire. Oui, bah tu m'étonnes qu'il a fait 500 000 ventes, et à mon avis, il va aller. Il va avoir le million presque à la semaine 2. Congé. Noricia a récemment sorti une suite à son jeu Angon, le jeu le plus récent de la série intitulé Angon 3D, a reçu une incroyable réception. Les critiques ont rendu hommage à Angon 3D pour son moteur de jeu plus récent que le précédent volet, véritable moteur de l'innovation technologique. Ah mais il est fatigué lui aussi. Oui, il a fait 1 million de ventes, hein. Les concurrents ont été aperçus marmonnant des commentaires jaloux. Hein. Mon interview, hein, il était pas beau. Recette 12 millions. 10 millions de bénéfices pour le moment. En semaine 4. Voilà, il rejoint le panthéon des Fatal Fantasy. Hein. À mon avis, Fatal Fantasy, il avait fait 19 millions de recettes. À mon avis, il va faire au moins autant. Mais bon, je suis pas étonné. Hein. Je sors un nouveau jeu. C'est une suite d'un jeu popu. Sur une nouvelle console, avec un nouveau moteur, avec un nouveau genre, c'est du jamais vu. Un autre jeu mémorable de Noriciel vient de sortir. Les entités contrôlées par l'ordinateur sont si incroyablement convaincantes dans ce jeu que je me suis surpris à leur parler par moments. Tout simplement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Jorg Longer de Game Nova. Ok, bon, bah on va s'arrêter là. Bon, c'est bon. Notre analyse post-publication de Angon 3D est terminée. Nous avons obtenu les résultats suivants. Course et action simulation est une bonne combinaison. Gameplay semble être relativement important pour ce type de jeu. Très bien. Sauvegardons, hein, ce palmarès de ouf. Boost, les tutoriels sont un puissant outil permettant d'augmenter momentanément l'efficacité de votre personnel. Le plus efficace... et de les utiliser pendant le développement d'un jeu ou un entraînement. Ah carrément, on peut faire un boost pendant l'entraînement. Bon, je boosterai pendant les jeux, hein, pour faire... ouais, c'est ça, Dario Kart.
Les boosts ont besoin d'être chargés avant d'être utilisés. Vous pouvez activer un boost dès que le processus de recharge est terminé. Mais vous pouvez aussi attendre un peu plus longtemps pour augmenter encore plus l'efficacité d'un boost. En plus, c'est gratuit le boost. C'est juste une question de temps. Très bien. Putain, ils veulent tous me parler là. Hein. C'est waouh, j'ai vu quelques photos de votre nouveau bureau, du matos d'avant-garde. Je suis sûr que vous vous en sortez très bien. Mais si vous avez besoin d'arrondir en fin de mois, j'ai quelques gros boulots qui auraient besoin qu'on s'en occupe. Les gros contrats ont été débloqués. Allez, on save. Vraiment, là, ce coup-ci, arrêtez de me parler, les enfants. Et on va arrêter pour cette session. Hein.